Amis des vers et de la poésie, bonjour, évidemment c'est la soupe à la grimace, 5 à 1 à Strasbourg, vous imaginez, pour le supporter des vers qui voit juste le résultat comme ça, ça lui donne des boutons, et je le comprends. Maintenant, vous savez, en football, il y a le résultat, et après, il y a le match. Et dans celui-ci, la première demi-heure des vers, regardez ce geste de Boudbouze qui aurait pu être le geste vert, sur le deuxième centre, il manque quelques centimètres à Casri seulement, et 3 minutes plus tard, le score est toujours de 0 à 0, hein, c'est important, encore Boudbouze à la baguette, et la Bouanga, il passe le cœur devant, il manque pas grand chose. Cette action, ce type de situation, je l'ai vu 10 000 fois. Tu dois ouvrir la marque à Montpellier, l'occasion de Camara en première mi-temps. Tu dois ouvrir la marque contre Lyon, Casri sur le poteau, etc., etc. Et au bout du compte, sur 10 matchs, les Verts n'ont ouvert la marque qu'une seule fois. Et ça, c'est un handicap. Ça loupe pas alors que Strasbourg est mené au point, entre guillemets. Il marque sur corner. Ok. Il y a le deuxième but, et après, vous savez, en football, il y a l'effet de match. Alors moi, je veux bien que l'arbitre exclue Youssouf sur ce tacle, on peut dire, mal maîtrisé, il met en danger le joueur adverse, c'est par derrière, je trouve ça un peu sévère. Mais, et sans chauvinisme aucun, pourquoi pas? Mais à partir de là, sur l'action qui provoque le pénalty avec le Marchand, c'est la même chose. C'est par derrière, c'est pas maîtrisé, et c'est dangereux pour le joueur stéphanois. Et vous voulez que je vous dise, c'est encore plus dangereux. Mais lui n'a qu'un jaune. Ça change beaucoup de choses. Parce que s'il a un rouge, eh bien, Casri marque le pénalty, et la deuxième mi-temps, eh ben, tu l'as fait à 10 contre 10. Résultat des courses, un jaune en infériorité numérique dès que tu prends le troisième but. Et après, la suite, on la connaît, c'est vieux comme le monde. Il faut tenir compte de ça. Et surtout, miracle des loups, au classement, eh ben, malgré tout, tu n'as que 2 points de retard sur le barragiste et 4 points de retard sur le premier non relégable. Donc tout ça, c'est possible. Après, c'est une histoire de confiance. Simplement, quand il y a les occasions, surtout à 0-0, il faut les mettre, les enfants. Moi, j'y crois toujours. Et vous devez, vous aussi, y croire.